Hey, je t'avais pas vu, tu vas bien? Attends, on se fait la bise. Toi là, tu fais pas le con, tu restes là et tu vas regarder cette vidéo parce que le sujet que je vais traiter aujourd'hui, il te touche forcément, de près ou de loin ou comme de là ou hein? Bon. Oui, je bug un petit peu, oui, mais bon. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les étudiants. Pour la quasi-totalité d'entre nous, quand on pense à étudiants, on pense au début des études, on pense forcément à l'appartement, hein? Le symbole de la liberté pour toi, hein? Ah, c'est le symbole de la liberté, tu t'en vas de chez tes parents, t'es heureux, tu dis ouais, c'est génial, ouais, je vais avoir mon chez moi, je vais faire la fête, ça va être cool quoi. Et souvent dans ta tête, tu penses direct à ça toi. Je t'arrête tout de suite, hein. Attends, ça tu peux pas toi. Mais non, attends, bah non tu peux pas toi. Toi t'es étudiant, t'es pauvre. J'ai envie de te dire mais... Allô? Non mais allô quoi. Merci. Non, toi c'est plutôt ce genre de choses. La salle de bain avec toilette incorporée. Ouais. Non, ne dis rien. Petite cuisine américaine, tranquille. Salon, salle de sport, cinéma, chambre. Attends, putain, Michel, va pas trop loin, on va encore se promener. Bah ouais, il fallait remettre les choses dans leur contexte, hein, aussi. Après, les étudiants, ils font quoi dans leur vie, hein? Ils font quoi? Bah, ils vont en cours. Enfin, on est censé y aller, hein? Et chaque année, c'est la même chose. Chaque année, tu te dis, putain, allez, là, j'envoie tout, là, je suis motivé. C'est bon, premier jour, là, boum, je démonte tout. Et cette année, je bosse, quoi. Easy, quoi. Et puis, en fait, la motivation, ben on la perd. Putain, là on va s'y mettre. Faut bosser là, faut bosser, putain, faut bosser. Attention. Hi. Pouf, eh ben j'ai bien bossé, c'est moi. Moi je m'en bats les couilles. Oui, d'accord, c'est notre faute de perdre la motivation, c'est notre faute à nous. Mais bon, en même temps, on n'est pas aidé, quoi. Ah, le gros dilemme, là. Ah, je sais pas, c'est difficile aussi, hein. Les cours, les... Ouais. Le côté alimentation, maintenant. Bah ouais, parce qu'il faut bien se nourrir. La plupart des étudiants, hein, on va se le dire tout de suite, c'est pas des top chefs, quoi. C'est pas Cyril Lignac, quoi. Cyril, si tu me regardes. Donc, l'alimentation basique pour un étudiant basique, ça va être... Alors, qu'est-ce qu'on a de bon ce soir, là? Ouh, là c'est bon, là. Là, je vais me régaler, il y a du choix, là. Ouh, super. Alors... Ouais. Et puis bon, l'étudiant, il faut aussi qu'il boive un peu, des fois, parce que sans eau, tu peux pas vivre, quoi. Ah, je sais pas si tu sais. Ah. Et donc, des fois, dans la vie de l'étudiant, ben, il y a des drames. Et sa vie à l'étudiant, là, c'est comme si elle était foutue. Hein. Sa vie, c'est presque un suicide, quoi. Alors, voyons qu'est-ce qu'il y a à boire, là. Attends, j'ai plus rien à boire, quoi. J'ai plus rien à boire, quoi. J'ai vraiment... Calme-toi, pas de crise d'angoisse. Ah! Si. Là, oui. Le dernier aspect que j'aimerais prendre en compte, c'est ta capacité à tenir ton appartement, mais nickel, quoi. Hein, y a rien qui doit dépasser, pas de miettes, que dalle, pas de saleté, nickel chrome, quoi. Mais bon, cette capacité, ben, comme la motivation pour les cours, hein, ben... Elle descend, et puis tu l'as plus. Et voilà une bonne chose de faite. Voilà. Donc voilà les gars, c'était mon premier podcast. Bon, dites ce que vous en pensez. Bon ou mauvais, moi je prends tout et ça fait avancer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Jérôme87 ou Maudit Création pour ceux qui connaissent. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker, de la commenter. Ça me fera toujours plaisir comme je vous ai dit. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sûrement de la danse. Allez, salut, peace.